Shalom Averim, bienvenue à Fit et Foi. Je m'appelle Lionel Jumotfa, je travaille avec Juifs pour Jésus, je suis pasteur et instructeur de fitness. Nous sommes dans une deuxième période de confinement, alors on continue Fit et Foi pour être en forme physiquement et spirituellement. Cette fois-ci, c'est l'entraînement complet, environ 45 minutes, 2 fois 15 minutes d'entraînement. Différents exercices et 15 minutes d'étirement. Ok? Allez, comme le dit cette chanson, soyons dans la joie, alegria, l'allégresse. D'accord? Pour être en forme aussi spirituellement, je vous mets un beau verset qui me touche particulièrement. Il se trouve dans le psaume 99, verset 19. 94, verset 19. Je suis suisse. Alors, moi je vais vous dire, verset, psaume 94, verset 19. Quand ton cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Psaume 94, verset 19. Psaume 94, verset 19. Et aujourd'hui, on est avec Juifs pour Jésus, mais on est aussi avec nos amis de Walking Side Out. Une association qui désire témoigner et bénir les gens à travers le fitness. Comme nous, ils doivent passer en ligne. Alors je salue bien les amis de Walking Side Out. Bienvenue à Fit et Foi. Que cet entraînement soit vraiment une bénédiction pour être en forme physiquement et spirituellement. Allez, on va commencer. Échauffement articulaire du haut vers le bas. On va commencer le positif. On va s'échauffer la nuque. Oui. Oui. Oui à l'entraînement. Oui à l'effort. À la joie. Attention, regardez de côté. Je ne vais pas derrière. Je suis dans une bonne position. Les genoux souples, abdominaux légèrement contractés et les épaules basses. Et non. Non à l'isolation. Non à la mélancolie. Rentrons bien. De côté. Et n'oubliez pas une chose importante. Priez. Ok. Allez, les épaules. On enroule ces épaules. Enroulez-moi ces épaules. Un peu plus large. Enchauffe bien ces articulations. On y va, c'est Fit et Foi. Avec les amis de Walking Side Out. Mettez un petit mouvement dans les genoux. Grand mouvement des bras. Bien chauffé. Avec le sourire. Vous êtes fantastique. Allez, vers l'avant. Vers l'avant. Allez, hop. Ok, les hanches. On écarte et on tourne. Imaginez, vous avez un hula hoop. C'est grand cerceau. Quand on a quelque part, il faudrait que j'utilise une fois. Ok. Dans l'autre sens. Alors, vous aurez besoin pour cet exercice de poids, d'haltères ou de bouteilles en plastique. Si jamais mettez sur pause, allez les chercher. Linge, une bouteille d'eau pour bien s'hydrater. Ok, les genoux. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça me fait très plaisir de passer ce moment avec vous. C'est vraiment chouette. Et en plus, des belles musiques que je vous ai préparées. J'aime beaucoup cette musique. Allégria, la joie. Ok. On s'échauffe la cheville, on tourne les poignets en même temps. J'ai oublié une chose. J'enregistre mes entraînements sur mon cardio. Hop. Fitness. Allez. C'est parti. Ok, on tourne notre cheville et on fait les bras en même temps. Ouvrez et fermez les bras. On a bientôt fini cet échauffement. On fera juste encore un peu de step touch. Tournez un peu les bras. Ouvrez et fermez les mains. Tournez ses chevilles. Ok, allez, on finit par du step touch. On commence vers la gauche. Hop, simplement d'un côté à l'autre. Pour l'instant, main sur les hanches. Hop, on touche,
va aller jusqu'à la fin de la musique. On va rajouter les bras, devant, derrière, devant, derrière. Descendu plus bas, on va chauffer un peu les fessiers. En bas, en haut, montez, redressez-vous. Jusqu'au bout de la musique, step touch. Yes. Fit et foie avec Working Side Out pour être en forme physiquement et spirituellement. Jusqu'au bout de la musique. Ok. Premier tour. On va commencer par les dips. Les dips, c'est pour travailler le dessous des bras. Alors, vous prenez une chaise. Vous vous asseyez au bout de la chaise. N'oubliez pas de sourire. Vous vous avancez. Restez proche de la chaise. Même plus proche que moi. Comme moi, j'ai le récepteur derrière, je ne peux pas me coller à la chaise. Et simplement, je me redresse bien, épaules basses, je rentre le ventre et je descends. 45 degrés et je remonte. En bas, en haut. Imaginez tout ce que Dieu fait pour vous. You can imagine, c'est ce que dit la chanson. C'est magnifique. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. 5 fois très lentement. On descend. Sur 4 temps, on remonte sur 4 temps. 5 fois on fait ça. Là on sent toutes les lignes musculaires qui se contractent. Et on sourit. Encore 2 fois. Et ensuite on va aller rapidement bloquer et redescendre. Une dernière. On remonte tranquillement. On descend rapidement. Bloquer. Rester. Remontez tranquillement. 5 fois aussi. Bloquez. Restez. Est-ce qu'il commence à chauffer un peu vous avant le dessous des bras? En bas. Bloquez. En tout cas, chez moi, il chauffe. Continuez. 2 fois. Boum. On remonte. Et on va rester plus longtemps en bas. Restez quelques secondes. Encore. Redressez-vous. Souriez. On remonte doucement. Ok. Bien. Alors. On va faire un exercice qui travaille les jambes et le haut du corps, pente biceps. Regardez, les pentes, vous prenez vos jambes, vous faites un grand pas, vous descendez, et le but est d'arriver à 90 degrés avec la jambe avant et 90 degrés avec la jambe arrière. On remonte. Redressez-vous bien, les pentes, c'est vraiment le doigt arrière qui descend droit vers le bas. D'accord? Ok, nous on va rajouter un mouvement, pompe biceps. Donc, le changement aussi c'est des pompes dynamiques. Vous avancez, vous descendez, vous montez, vous reculez, vous changez de jambe. Ok? Et on rajoute un travail du devant des bras. On a fait l'arrière, on fait le devant. Regardez. Je vais partir avec ma jambe gauche. Je descends et je fais un mouvement pour les biceps. Simplement le mouvement, regardez. C'est mon bras monte, les disques vont vers mes épaules. Ils sont vers mes hanches, ils tournent, ils vont vers mes épaules. Et je reviens. Ok? Je vais en avant, je descends et je remonte. Si vous c'est un peu compliqué de faire de manière dynamique, vous y allez un peu tard après l'autre. En bas, en haut. Rappelez-vous, c'est des disques, mais ça peut être des haltères, des bouteilles en pêche, deux sacs, tout ce que vous avez besoin. Le poids est bien réparti et mon talon arrière il est levé. Ok? On essaye 8 de chaque côté. Une jambe après l'autre. Avec le sourire. Vous allez droit vers le bas. Et on revient. Vous voyez? Ah, ça fait du bien. Alors si j'en fais 9 au lieu de 8, c'est que j'ai mal compté. Je pense qu'on a la moitié, mais je suis pas sûr. Allez, redressez-vous bien. Sentez les bras qui travaillent. On est complet. Et encore 2. Ça, c'est le premier tour. Et on relâche. Buvez régulièrement. Profitez pour boire quelque chose. Ok. Alors, le prochain exercice
équilibre sur une jambe. Alors, regardez. Je vais poser mon poids sur la jambe droite. Je vais contracter l'intérieur de la cuisse. Et ensuite, je vais avoir trois positions. Soit je mets mon talon par terre, ma pointe de pied par terre. Soit je vais sur le mollet, ou l'exercice de troisième niveau. Je mets le long de la cuisse. Contractez bien les abdos, utilisez les bras. Et on va essayer de tenir, allez, une minute. Amazing Grace. Incroyable. Si c'est trop facile, il vous reste l'option 4 de fermer les yeux. On tient bien. On sent la jambe qui contracte. 1. Appuyez-vous bien, restez sur vos appuis, fixez un point. Vous êtes géniaux, continuez. La moitié, quoi. Et moi je fais l'équilibre. Allez. Redressez-vous bien, épaules basses. On n'a pas plus d'équilibre sur une jambe que sur l'autre. Il compte. Allez, on tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, vous êtes super. Magnifique. Ok. Appuie sur la jambe gauche. Hop. Et on se met en place, choisissez vos options, 1, 2 ou 3. Et on se pose, une minute. Mes chaînes ont été brisées, j'ai été libéré. Parce que Yeshua a fait pour nous, Jésus nous a libérés. J'avais des chaînes, Respirez bien, abdos contractés. L'intérieur de la cuisse bien contracté, c'est pour l'équilibre. Et vous pouvez faire le flamant rose si vous voulez. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est le flamant violet. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai sur mon t-shirt comme logo. Un souvenir de 2018, j'ai fait un mois de cours de fitness à Jérusalem. Et on avait appelé ça Kosher Lecheacha. Kosher, c'est fitness. Lecheacha, c'est son prochain. Fitness pour ton prochain. Allez, 5, 4, 3, 2, bon, moi j'ai l'Alexis, hein. Super. Ok, on continue. Alors, climber, ça c'est un super exercice. On va se mettre en bas, position de planche. Les mains sont vraiment sous les épaules, d'accord? Vous êtes sur la pointe des pieds et on va monter une jambe. La ramener, monter le genou, le ramener. Alors, on peut y aller tranquillement ou on peut y aller un peu plus vite. On peut y aller beaucoup plus vite. Ok? De nouveau, une minute. Une minute, vous êtes avec moi? Yalla, Benny, on y va les amis? Let's go! Une minute, mountain climber. Et pour éloigner les oreilles, abdominaux contractés. Et n'oubliez pas, le sourire. Allez, on s'accroche. On peut redescendre d'un niveau si c'est un peu difficile. Allez, moitié, on s'accroche. Mountain climber. Ah, le cardio, il monte là. Allez, allez, on tient. On tient, restez avec moi. Vous êtes géniaux. Allez, c'est le dernier exercice. Après, on va travailler un peu les abdos. 15 secondes, allez, on s'accroche. 10 secondes. Allez, tenez avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. On va passer au sol pour les abdominaux. Ouh. Ok, ça va? Allez, abdos. Voilà, je prends le micro. On va se coucher sur le dos.
les jambes, je recule encore un peu, hop, les jambes presque tendues, je me relève un peu, vous voyez, je suis bien posé, et c'est simplement, hop, lever les jambes et revenir. En fait, on peut se mettre un peu plus sur les coudes, ce sera mieux, comme ça, et simplement, on lève et on descend, ok? On essaie d'y aller 20 fois, prêt? Levez, descendez, levez, descendez. Vous voyez, mes coudes sont à poser. Levez, descendez, levez, descendez. Sentez les abdos qui contractent. Ouh. Hop. Alors, je n'ai pas compté, mais je crois qu'on est bientôt à 10. Si c'est un peu dur, vous levez moins. Vous levez jusque là. Allez. Hop. Hop. Sortez les abdos qui contractent. Souriez. Souriez. Encore 5. 5. Allez. Souriez. Allez, Avelim, on y va. Il nous en reste 2 et on va tenir quelques secondes. On tient quelques secondes en l'air. 10 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Ok, on relâche. Pause. C'est bien. Vous étiez magnifique. Bravo, bravo. Allez, on récupère. Hop. Belle musique, tranquillement. Voilà, on relâche. On se détend, on boit quelque chose. Ouh, on a un peu transpiré, hein. J'ai une proposition à vous faire. Deuxième tour. Un petit peu plus intensif. Est-ce que vous êtes partant avec moi? Demi-tour un peu plus intensif? Pas demi-tour, deuxième tour. Ok, allez. Je vous relis encore le verset. Dans le psaume 94, verset 19. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. C'est vrai que c'est une période où notre cœur peut être agité d'une foule de pensées, mais les consolations de l'Éternel nous rendent la joie. Vous êtes géniaux. Allez, on relâche. On va repartir dans quelques secondes. Abinu Malkenu, notre Père qui est au ciel. Magnifique chant. Relâchez-vous bien. Concentrez-vous. Deuxième tour, un peu plus intense. On va repartir sur les 10. Allez. Ah, j'aime beaucoup ce chant. Mettez-vous, préparez-vous pour les 10. Ce chant s'appelle 10,000 Reasons. 10 000 raisons. Parce qu'il y a 10 000 raisons pour le louer. Ok. Alors, vous êtes prêts pour les dips? Rappelez-vous, les mains sont posées à plat. On les coupe près de la chaise et on va descendre. Alors, on va commencer sur deux temps, tranquillement. 1, 2, 3, 4. Essayez de vous caler sur la musique. On descend sur deux temps et on remonte tout près de la chaise. Alors, vous voulez que ce soit un peu plus dur? Vous éloignez les jambes. Et vous êtes resté près de la chaise. Ça devient plus difficile. D'accord? Restez sur ce rythme tranquille. Sentez le dessous des bras qui contractent. Ok, on va descendre lentement. Et boum! Chaque fois. Descendez lentement. Poussez fort. Redressez-vous bien. Souriez. Encore deux fois. Lent. Ah. Alors, j'ai oublié une option. Si c'est vraiment difficile, vous vous penchez en arrière, vous poussez pour revenir. Vous penchez en arrière, vous poussez pour revenir. Vous poussez dans les bras. Penchez en arrière, poussez pour revenir. Ok? On en fait 3 très longs. Et après, on va mettre un peu d'intensité. Bless the Lord of my soul.
bénis l'Éternel, ô mon âme. 4, 4, 3, 2, 1. Encore deux fois. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come, still my soul will sing your praise. Épaules basses, abdominaux contractés. Ça commence à chauffer, un dernier. Ok, mini pause, et on pulse. 20 secondes. Allez, go. 20 secondes, les pulses. Ça, c'est l'intensité. Si c'est trop difficile, vous restez 1 et 1. Allez, pulsez, encore 10 secondes. Lâchons. Oubliez. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ouh. Ah, je ne sais pas vous, mais là, moi, je les ai bien sentis. Hein. Ça va, Valérie? Ça va, les amis? Vous le sentez? Tout bien? Ok. Allez. 30, 17. Je vais changer de temps, vous voyez un peu de l'autre côté. Rappelez-vous en dynamique ou en statique. En dynamique, hop, je fais un grand pas devant et je m'accompagne avec les bras. Je pousse dans mon talon pour remonter. Attention, regardez, mon genou avant, il n'avance pas trop. Il reste pas plus loin que la pointe de mes pieds. Ok? Allez. C'est un peu difficile, ouais, c'est moi qui perds l'équilibre, c'est bien. On est en faute normale. Si c'est difficile, on faute normale. Sinon, on continue en dynamique. Sur place de mon tapis. Ouais. Ah, ça c'est les aléas du direct. Oui, c'est du direct. Allez, souriez. Ok, on en fait un peu de chaque côté. Et puis on va faire un peu d'intensité. Souriez toujours, sortez les bras, les jambes, c'est complet. Ok, on va descendre et on va pulser. Bras à 90 degrés, 90. Descendez, pulsez avec les bras et les jambes. Ils tombent de chaque côté. Serrez-moi ce fessier. Ici, on contracte. On pousse dans le talon avant. Et les bras aussi, en même temps, ils font les mêmes paras les jambes. 5, 4. 3, 2, 1. On change de côté. Hop. 10 secondes. Allez, avec le sourire. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok. Allez, on passe à l'équilibre. On va bien se poser. Rappelez-vous les options. Donc, là, soit la pointe de pied par terre, soit sur le mollet, soit en haut. D'accord? On y va? Allez, mettez-vous en place. 1 minute, 1 minute 15. Allez, on essaye. 1 minute 15. Wow. Et des fois, on a plus d'équilibre que nous. Concentrez-vous. 1 minute 15. Vous êtes avec moi? Contractez bien, contractez bien. Contractez ici, l'intérieur de la cuisse. Épaules basses, on garde l'équilibre. 1 minute. Ah, je suis content d'être avec vous. Un super entraînement. Je suis sûr que vous donnez à fond. Vous êtes géniaux. Fixez un point et c'est top. On y va. Allez, allez les amis, on y va. Ah, vous êtes chez nous, allez-y. Ah, c'est super, continuez. Allez, il nous reste 30 secondes. Je sais, ça commence à chauffer. Si jamais descendez d'un cran, mais gardez l'équilibre. Encore 30 secondes. Moins 20 secondes. Ouais. On peut descendre d'un niveau. Ah, on se remet. Allez, on essaye. Oui, ça chauffe, je sais. Accrochez-vous. 15 secondes. Allez, on tient. Mais c'est un peu dur, je sais, mais accrochez-vous avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Vous savez ce qu'on travaille? Tous les muscles posturaux. Les muscles qui stabilisent votre bassin, les muscles qui stabilisent vos jambes, les muscles
profond qui nous permet d'avoir une bonne position pour être en forme physiquement et spirituellement, des fois. Ok, j'espère que pour les amis de Work Inside Out qui découvrent, ça vous plaît, qui découvrent cet entraînement. 5 secondes et on repart pour une 15. En place, hop, et on y va, en place. Contracter l'intérieur de la cuisse, on appelle ça l'adducteur. Les abdominaux bien contractés, les épaules basses. On tient cet équilibre, le pied travaille pour nous garder en équilibre. Pour nous garder en équilibre, c'est-à-dire le dessus. Voilà, bon. On se concentre. Voyez-vous, il y a des fois, ça marche moins bien que d'autres. On a moins d'équilibre parfois sur une jambe que sur l'autre. 45 secondes, il nous reste. Contractez bien. Alléluia. Il règne. Il règne. Oui, l'éternel règne. Quelques secondes. On tient. Contractez cette jambe. Moi, je vais passer au niveau 2 là. Une fois concentré, essayez de remonter pour les 15 dernières secondes. 15 secondes, restez avec moi. Restez avec moi. Cinq, quatre, trois, deux, un, on relâche. C'est bien. On tire un peu, hein. Allez, il nous reste un exercice encore ce matin. Ok, on va repartir au sol. Oh, j'ai failli oublier un exercice. Le climber. Allez, je vous le montre dans l'autre sens cette fois-ci. Alors, bien en position. Deux planches, abdominaux contractés, épaules basses, la tête bien alignée. Pour une minute, c'est parti. Allez, on s'accroche. C'est parti. Formez une belle ligne. Contractez-moi ces abdos. Relâchez les épaules. Allez, c'est bien. On s'accroche. Ça fait chauffer le cardio, c'est ce qu'on veut. Moitié. On va essayer de rajouter 15 secondes. Une 15. Essayez. Si jamais, vous ralentissez. Mais restez avec moi. Allez. Il nous reste 30 secondes si on fait une 15. Accrochez-vous, restez avec moi. Souriez. Rentre, je sais. 5, 4, 3,
bien. On relâche. Bravo. Toute la création peut le louer. C'est ce que nous dit la chanson. Ah, vous étiez super. Respirez bien. On va faire quelques abdominaux. Quelques étirements dynamiques. Ok. Alors. On va commencer par une pose de l'enfant. Ça, c'est le seul qui ne sera pas dynamique. Et après, on va aller en dynamique. Ok. Ok, pose de l'enfant. Regardez. C'est important, je commence peut-être toujours par ça. C'est un très bon moyen de se relâcher. Vous vous mettez à genoux. Pieds rejoints. Et les cuisses séparées. Les genoux séparés. Vous descendez en arrière. Vous passez les fesses entre les pieds. Et vous allez descendre vers l'avant. Et vous laissez poser tout vers l'avant. Ça nous permet d'étirer le bas du dos, d'étirer les hanches, de relâcher la nuque, relâcher la nuque des épaules. On se relâche bien. On respire profondément. Et on sourit. Allez. Vous avez bien mérité une bonne session d'entraînement, d'étirement. Que toute la création te sanctifie. Respirez profondément. Car tu es notre salut, Yeshua, toi seul, ô Jésus. Allez, on va partir sur quelques étirements dynamiques. Car tu es notre salut. On va commencer par ce qu'on appelle des fentes latérales. Yeshua, c'est pour tirer les adducteurs. Alors, on écarte bien les jambes et on va descendre. Les deux pieds sont parallèles, c'est important. Et on va descendre. Et vous devez sentir que ça tire ici. On descend, on revient au milieu et on descend de l'autre côté. Ok ? On y va. D'un côté, hop, et de l'autre. Avec le sourire. Magnifique chanson de Josué. Josué Turnil, le directeur de Juifs pour Jésus. Allez, d'un côté et de l'autre, on fait ces étirements dynamiques en respirant bien et en souriant. Vous êtes magnifique, continuez, c'est génial. Redressez-vous bien. Sentez les adducteurs qui s'étirent à l'intérieur de la cuisse. Gardez les deux pieds bien au sol. Restez le plus droit possible. Ou la plus droite. Ok, on va rester quelques secondes. Que tout comme ça, 10 secondes. Ce qui vit croit. On respire bien. En lui. On se redresse. Et quelques que secondes de l'autre côté. La création te sanctifie. Je vous rappelle le verset du jour. Quand mon cœur est agité par une que foule de pensées. Les consolations me rendent la joie. Psaume 94, verset 19. En lui. Ok. Que toute Alors, la création te on va faire un exercice qui s'appelle le chien tête en bas. Et après, on va étirer les abdominaux. Regardez. Position de base, le chien tête en bas, vous formez un triangle. Paume dans le sol. Et vous poussez avec les talons en bas et vous poussez en même temps les épaules dans les mains. D'accord ? Ça, c'est le chien tête en bas, c'est-à-dire toute la chaîne arrière. Ensuite, on va descendre légèrement. On va poser les genoux. Se descendre là. Et on va se redresser. Pour étirer. Alors, soit vous gardez les coudes pliés, soit vous avez les coudes tendus. Ça dépend. Et bien, soyez à l'écoute de votre bas du dos. Et sortez les abdominaux qui s'étirent. On revient en arrière et on retourne en position chien tête en bas. Poussez bien, sentez toute la chaîne arrière qui s'étire. Et on redescend. On descend. Hop. En bas. Et
étirez les abdos. Serrez les abdominaux et sentez qu'ils s'étirent. Mettez la tête et les jambes en arrière et souriez. Allez, encore deux fois. La tête en bas. Bonne position. On sent la chaîne arrière qui s'étire. On pousse vers l'avant. On avance les mains. On pose les genoux. On se pose par terre. Et on se redresse pour étirer. Poussez les hanches vers le bas et vers l'avant. Sentez les abdominaux qui s'étirent. Et on retourne une dernière fois au chien tête en bas. On étire bien. On peut ramener un peu plus près pour étirer un peu plus. Et on va relâcher, on avance les mains. On pose les genoux. Doigts de pied allongés. On descend. Et on se met en position. Ça s'appelle le cobra. Poussez bien les hanches vers le bas et vers l'avant. Et on relâche. Si vous êtes plus confortable, vous pouvez tout à fait enlever les chaussures pour ces temps d'étirement. On boit quelque chose. Ok. Alors, on va passer ce qu'on appelle le catch row, pour retirer le haut du dos. Regardez, latéralement, je vais devant, 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 devant. Je rentre là, mes abdominaux sont vraiment contractés. Ensuite, je me redresse et je tire. Vous voyez les épaules, elles sont contractées, contractées. Pour essayer de serrer mes omoplates. Et je reviens devant. De ce monde qui et je suis devant. Quand et je reviens. Les bruits de guerre sur cette et on va en dynamique. Devant. Qui se désespère. Et derrière. Alors j'ai envie de crier. Écoute son légèrement derrière moi. Arrêtez de courir et de allez, vous étourdir dans mon sombre désir. Et colorer le monde, colorer le monde, voilà, colorer le monde avec l'amour de Jésus. Quand je vois encore la souffrance de ce monde en errance, quand j'entends allez, les cris de détresse sur cette terre où bien, les frères sont blessés. Alors j'ai envie de crier dernier. Jusqu'à vous réveiller. Derrière. Arrêtez de courir et de vous étourdir dans vos sombres désirs. Et okay. Colorer on le monde. Colorer le monde. Colorer et on va faire un exercice pour avec un peu. L'amour de Jésus. Étirez la colonne. Colorer et étirez au seul niveau des hanches. Colorer le monde. Vous êtes assez écarté, un peu plus que les hanches. Avec l'amour de Jésus. Et on va monter et chercher le ciel. Alors, si le bas du dos pose problème, regardez latéralement. Je reste devant avec les bras. Quand je si vois ça se passe bien, je vais légèrement derrière. Folie, et j'étire un maximum. Ce monde je descends. Qui pâlit, et j'étire, je cherche le ciel. Tant de mensonges. Okay. Allez, on y va. Cette terre que l'égoïsme ronge. Avec l'amour de Jésus. Ah oui, ça fait du bien. Colorer le monde. Colorer le monde. Colorer le monde. Avec l'amour de Jésus. Et un dernier. Colorer le monde. Colorer le monde. Ok. Avec alors, les amis de Jésus. Le dernier, on va travailler le thorax. Je vous avais déjà parlé, c'est ce gros muscle qui va de la cuisse jusqu'à l'arrière du dos. Quand on est beaucoup assis, il a besoin d'être bien étiré. Alors, on commence en position de fente, d'accord? On va étirer le psoas de la cuisse droite. Le but de là, vous allez partir avec les hanches vers le bas,
vers l'avant, d'accord, et ensuite vous allez pivoter en direction de la jambe gauche et vous allez descendre l'épaule gauche, l'épaule qui est vers la jambe avant. On descend, on tient quelques secondes et on revient en arrière. Ok, on bascule en avant, on tourne et on descend et on revient. Allez, encore. En avant, on le met en tension. Les talons arrière élevés. On tourne et on descend l'épaule. Encore deux fois. Descendez. Poussez bien ses hanches vers le bas et vers l'avant. Hop. Et on pivote. Et on descend l'épaule. Allez, encore une dernière fois. Vous sentez bien ça et ça tire. Là, il est en étirement et j'augmente légèrement en me penchant. Ok. Dernier exercice, on change de côté. Alors, bien posé en position de fonte. Bien droit. Ensuite, je descends vers le bas, vers l'avant. Je tourne vers la jambe avant. Et je me penche en direction de la jambe avant. Voilà, et je sens vraiment le thorax qui s'étire. Et je reviens. On met, on descend, on va pivoter. Et bien l'étirer avec le sourire. Ok. Et je remonte. Encore deux fois. Une dernière. Et on relâche. Bravo. Vous étiez super. Ok. Merci à nos amis de Work Inside Out de nous avoir suivis. Ils publient le samedi matin la vidéo et les lundis soirs. Deux entraînements par semaine. Pour Fit et Foi, lundi matin, 8h30, on décale à 8h30, comme ça vous pouvez enchaîner la méditation du matin et l'entraînement court et intense. Ok? Et ensuite, mercredi, 14h, je ne sais pas dire, 14h, la suite de la semaine, et le samedi à 10h, l'entraînement complet avec des étirements. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Fit et Foi pour être en forme physiquement et spirituellement. L'Energible Fab de Juif pour Jésus avec les amis de Rock Inside Out. Shabbat Shalom!